Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je réalise un petit peu à l'arrache, j'avoue, parce que à l'heure où je vous fais cette vidéo, ça fait seulement 37 minutes que la nouvelle vidéo de l'Airbus A380 de Fly-by-Wire vient tout juste de sortir. Elle est juste incroyable, je ne m'attendais absolument pas à la voir aujourd'hui. Les images sont vraiment, vraiment bluffantes, les textures sont incroyables, les sons sont vraiment ouf, donc je vous laisse regarder la vidéo tout de suite. Vraiment, c'est un truc de fou. Je vous laisse regarder ça et on se retrouve juste après la vidéo de présentation de Fly-by-Wire qui est sortie il y a 37 minutes. C'est parti. Ground 2 cockpit, we are going to start connecting the terminal, confirm park and brake E7. Alright, aircraft is clear, you can start the engine at your discretion. Thank you.
Togi is disconnected. Standby. We are unlocking the view. Blabawaye 380 Super Toulouse Ground, bonjour. Taxi to runway 14 right via Lima 1 Tango 101 Papa 100 Mike 10. Hold short of runway 14 right at holding point Mike 10. Flybywire 380 Super, wind 1505 knots, runway 14 right, clear for takeoff. Flybywire 380 Super Contact Blagnac Departure 121.105, bonne journée. Live wire 380, Munich Tower Servo, wind 100 degrees, 3 knots, cliff end runway 083. Minimum. 100. Forty, 30, 20, 10, 5.
Fly-by-wire TS 0 Super. Taxi Bravo 1 2 West, Sierra, Sierra. Danke. Quel est mon avis sur cet appareil? Vraiment, je suis impressionné par le travail qu'ils ont fait. Déjà, c'est un truc de fou d'avoir une vidéo complète. L'avion va certainement arriver très très rapidement sur nos PC. On voit que les textures à l'intérieur sont faites, le modèle 3D est fait, la tablette est parfaitement intégrée, l'EFB, hein, quand je dis la tablette, c'est l'EFB, est parfaitement intégré à l'appareil. Il y a ce système de map sur l'écran de l'appareil, la position de l'appareil sur la piste qui est vraiment bien réalisé. D'ailleurs, c'était une des dernières choses qu'ils étaient en train de développer. Et franchement, quand on voit les vidéos, alors peut-être juste la cabine que je trouve pas ouf, la cabine passager, mais bon, en même temps, c'est pas là-dedans qu'on passe le plus de temps, même si c'est très agréable d'en avoir une belle, un peu comme dans le Phoenix A320. Les textures à bord dans le cockpit, ils sont juste incroyables. On voit, si vous regardez bien la vidéo en détail, il y a plein de petits trucs qui font que bah, finalement, ce cockpit, il a l'air d'être vraiment très 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 bien réussi. Les écrans sont incroyables et ça fait plaisir de savoir qu'on va bientôt pouvoir voler avec cet appareil. Et vraiment, je ne sais pas quoi dire en fait, parce que cet avion, on l'attend depuis des années. Jusque-là, on avait de temps en temps une vidéo des ailes, une vidéo des réacteurs. On avait le modèle 3D du cockpit qui était modélisé, mais pas encore texturé. Enfin, il n'y avait pas encore de couleur et tout ça. Là, on a quelque chose qui a l'air d'être vraiment fini. On a quelque chose qui a l'air d'être complet, qui a l'air d'être utilisable. Franchement, je suis bluffé du travail qu'ils ont fait. Et c'est pas tout, parce que il y a la nouvelle de l'Airbus A380, mais très très bientôt on va avoir également, je vais vous faire une vidéo de présentation sur le Boeing 777. C'est pareil, ils ont sorti une vidéo de ouf, donc là c'est une semaine complètement folle, j'ai envie de dire, pour les simmers de Microsoft Flight Simulator. On a vraiment de bonnes news qui sont tombées. Donc Fly-by-Wire, voilà, ils ont fait cet Airbus A380. Ça fait des années qu'on l'attend. Ça fait un bon moment. Là, je pense qu'il va bientôt arriver. J'ai pas vu de date de sortie pour le moment. J'espère sincèrement que ça va arriver assez vite. À mon avis, s'ils sortent ce genre de vidéo, c'est que ça va arriver très très vite. Alors peut-être qu'ils vont le sortir en même temps que Flight Simulator 2024, qui devrait pas tarder non plus. Soit ils vont le sortir avant, mais en tout cas, le boulot a l'air d'être vraiment très très bien fait. On est sur du fly-by-wire, hein. C'est pareil, ils font du très bon boulot, même si le développement n'est pas aussi poussé, j'ai envie de dire, que chez Phoenix Simulation. On a quand même un travail de très très bonne qualité. Et en plus de ça, c'est des appareils qui sont gratuits. Donc de savoir qu'on a un A320, un A380 qui sont totalement gratuits, c'est un truc de fou. Et l'A380 a l'air d'être vraiment vraiment magnifique. Regardez bien la vidéo, tous les petits détails qu'on peut trouver aussi bien dans le cockpit, dans les sons qu'on peut trouver à l'intérieur du cockpit, dans les sons d'allumage d'APU, dans les sons de mise en place des flaps. Vraiment, il y a plein de trucs de fou. Enfin bref, il y a plein de choses qui ont été faites. On voit que c'est un avion de très très bonne qualité. Et cet avion, on l'attendait vraiment. Alors, il y avait déjà un Airbus A380 qui était disponible sur FlightSim.to. C'est une version gratuite, mais malheureusement, le développeur nous a fait surtout une vue extérieure. Il a modélisé que l'extérieur de l'A380 avec 4 réacteurs, dont 2 qui fonctionnent seulement. Et le cockpit, c'était le cockpit d'un A320, et c'était même pas celui de Fly-by-Wire, c'était celui d'un autre. Évidemment que je pense que Fly-by-Wire n'allait pas donner son cockpit ni d'A320 ni d'A380 pour cet A380 freeware qui est disponible, on va dire, plus bas de gamme, qui est disponible sur FlightSim.to, puisque évidemment ils sont en concurrence directe. Mais en tout cas, Fly-by-Wire a fait un très très bon boulot. Un grand bravo aux équipes, franchement c'est impressionnant. Donc je vais vous tenir au courant sur la chaîne des prochaines avancées de cet appareil. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà, je fais cette vidéo sans avoir écrit de script, sans avoir écrit quoi que ce soit, parce que la vidéo de Fly-by-Wire vient tout juste de sortir. Donc voilà, je vais vous tenir au courant de toute façon de la suite des événements sur la chaîne YouTube. Si tu veux être au courant de ce qui va se passer prochainement, et ben c'est très simple, tu t'abonnes, tu likes et puis tu cliques sur la cloche des notifications qui va te permettre de recevoir la notification de la prochaine vidéo qui va sortir. Comme ça, tu pourras louper aucun des prochains épisodes. Je tiens à vous remercier d'ailleurs, au passage, nous avons atteint le palier des 1000 abonnés et c'est vraiment énorme. Voilà, c'est un truc de fou. On va continuer comme ça tranquillement. Vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des commentaires et à me soutenir, donc un grand merci à vous. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et j'espère vous donner des nouvelles très rapidement de ce Fly-by-Wire, voir s'il y a une date qui a été communiquée. Je vous dis à la prochaine, ciao.